aujourd'hui on se retrouve avec un petit tuto pour les utilisateurs du logiciel iMovie sur Mac. Bien évidemment, tout le monde ne le possède pas, mais je vais faire un tuto exclusivement réservé aux personnes qui l'utilisent. Alors, si vous voulez mettre en forme des vidéos comme la plupart des vidéos que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, là vous avez la tête dans les coulisses, hein, tout est là. Je vais vous montrer comment faire. Alors tout d'abord, on va créer un nouveau projet. Dans ce nouveau projet, vous choisissez si vous avez un thème, comme ceci. Alors, dans mes vidéos YouTube, j'ai parfois utilisé celui-ci, celui-ci et celui-ci. Bon, on va mettre aucun thème, hein, nous, hein, pour essayer quelque chose. Donc voilà, vous avez un nouveau projet. Qu'en est-il de la suite? Vous allez insérer des vidéos dans divers événements. Alors, pour créer un nouvel événement, fichier nouvel événement, vous le renommez. Et vous avez ensuite une petite étoile comme ça, violette, avec l'événement dedans. Ici, moi, j'ai par exemple un événement que j'avais fait avec Fireblaze, si je ne me trompe pas, et Jilim, qui était contre moi et Futins dans une map, la map Nail. Voilà, donc je ne la poste pas sur YouTube parce que j'attends une revanche. Mais j'ai quand même mis la partie là, de 22 minutes. Alors, je ne vais pas enregistrer ce que je fais, mais je vais le faire quand même. Vous double-cliquez pour tout sélectionner. Avant tout ça, j'ai peut-être oublié de vous préciser qu'il fallait aller... Alors attention, là, je ne sais plus. Je crois dans iMovie Préférences, afficher les outils avancés. Voilà, alors sans outils avancés, il y a des trucs qui disparaissent. Et avec, il y a des choses qui apparaissent. Donc, afficher-les, c'est indispensable. Parce qu'on va en avoir besoin par la suite. Donc, vous prenez, vous glissez. Hop, vous avez des transitions automatiques qui sont créées. La bande son qui est affichée, que vous pouvez ne pas afficher grâce à cela, mais moi je trouve ça très utile. Si on va vers la gauche comme ça, ça nous permet d'observer un peu plus toutes les pistes audio. Ce que je fais généralement, je double-clique sur cela et je vais dans audio et je fais normaliser le volume du plan. Ce qui permet un petit peu d'aplatir les moments où le micro va trop dans l'aigu, trop haut quoi. Ensuite, si vous voulez accélérer un plan, vous allez dans plan, vitesse, et vous cliquez sur convertir le plan entier. Alors, je ne vais pas le faire, parce que la conversion dure un petit bout de temps. Mais je vais vous montrer un exemple du terraforming que nous faisons actuellement à la BigPros Team sur Minas Tirith. Vous voyez? Voilà. Alors, en fait, le plan, une fois converti, vous aurez un petit onglet vitesse avec la tortue que vous pourrez bouger. Là, c'est le ralenti. Là-bas, c'est la vitesse. Rassurez-vous, vous pouvez aller au-delà de 800 en sélectionnant le chiffre et en tapant vous-même à la main le pourcentage de vitesse. Voilà. Donc, nous, on va retourner sur notre nouveau projet. Pour faire une petite transition au début, une petite bande-annonce, alors j'utilise l'outil texte, qui est très facile. Donc là, je n'ai pas de thème, c'est-à-dire que j'ai simplement des annonces de texte plutôt simples. Si je veux mettre un thème, vous cliquez sur définir le thème, par exemple album photo, ça va vous rajouter automatiquement des transitions spéciales album photo. Donc c'est très utile. Comme vous le voyez, si je prends ben voilà, par exemple album photo comme ceci, je garde appuyé, je glisse. Je désactive les transitions automatiques parce que c'est moi qui les inclus. Alors par contre, oui, voilà mon erreur. Avec ces transitions automatiques, le texte, c'est pas comme. Je vais vous montrer quand vous êtes sur une autre vidéo, comme celle-là par exemple, les pranks. Voilà. Ah non, j'ai rien là. Attendez, il me faut un exemple où je n'ai pas de thème. Celui-là, j'ai pas de thème. Twilight. Vous voyez, quand vous mettez un outil texte, ça fait comme ça. Il y a un écran noir, vous choisissez le fond. Vous choisissez le fond avec le type de texte. Donc ici, j'ai pris 4 coins, voilà. Ça donne un truc comme ça. Salut mes abonnés. Voilà. Donc vous avez un écran noir, le texte bleu au-dessus, vous cliquez, vous pouvez modifier, voilà. Et en dessous, vous avez un son que vous ajoutez. On verra ça après. Alors, on retourne dans notre projet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avec ce type d'animation, elle est automatiquement faite comme ça. Alors, salut à mes abonnés YouTube. On va faire la map Nail.
ce qu'on va faire. Voyez la transition. Donc vous cliquez là-haut si vous voulez changer, par exemple, map nail. Bon, alors je ne garderai pas ça, hein, ce sera tout supprimé après. Je n'ai pas l'intention de garder ça comme ça. Vous pouvez changer la durée. Si je mets 3 secondes, par exemple. Ça nous alors, salut à mes abonnés YouTube, on va faire... Bien plus accéléré. Bon, si vous augmentez, ça va ralentir, mais on n'est pas là pour ce genre de base. Alors, pour étendre votre plan, vous avez ces petits outils très simples qui vous permettent de vous montrer vos divers plans. Donc, soit vous voulez tout, soit vous voulez toutes les 30 secondes. Donc, une vignette correspond à 30 secondes. Là, une vignette à 10, puis à 5 secondes, à 2 secondes, 1 seconde et une demi-seconde. C'est très pratique pour choper les petits morceaux de son comme ça qui nous dérangent. Pour supprimer un son, c'est simple, vous gardez appuyé, vous sélectionnez, il y a une petite barre jaune qui va se créer comme ça. Donc vous étendez bien pour qu'il y ait la zone de son dedans. Et quand vous avez cette petite icône, vous gardez appuyé et vous baissez à 0. Voilà, tout simplement. Et là, quand on passe, voilà, le son est coupé. Voilà. Vous voyez, entendez le bout de la flèche là? Si je veux le supprimer, je le sélectionne. Je le baisse à 0. Et là, on n'entend plus le bruit. Voilà, vous voyez? Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Une fin de transition, pareil. Alors, comme vous voyez, là, il y a des trucs très sympathiques que je ne connaissais pas. J'aime beaucoup. Je vais rajouter ça à la fin. Vous voyez, par exemple, donc là, vous choisissez le fond. Il n'y a pas beaucoup de types de fonds. Hein. Je ne suis pas très fan de ça. C'est pas très bien pensé. En général, je mets souvent beige ou industriel, des trucs simples. Là, je vais mettre quelque chose comme ça, voilà. Pareil, on choisit la durée, ça fait une transition de fin. Fais une pause dans la vidéo. Voilà, c'est un exemple. Hein. Ensuite, pour vous montrer, quand je mets une... à la fin, là, quand j'écris à la fin, par exemple, next, j'écris souvent next... parce que j'aime pas dire prochainement, c'est pas très joli en français. Donc je mets next. J'affiche souvent une autre vidéo ici, en preview. Donc je vais prendre par exemple un morceau de mon aventure Tekkit. Donc je sélectionne un morceau comme cela. Bon, pas trop gros, hein, il faut que ce soit en secondes. Hein. Allez, on va mettre 11 secondes, c'est parfait. Alors là, il est pas très accessible, donc je fais comme ça. Voilà. Je le prends, je le glisse ici. Et en lâchant, on va me proposer un certain menu. Alors, remplacer, c'est-à-dire que ça va être en fond à la place du beige. Remplacer le début de la fin, quand c'est là-dessus, c'est pareil. En tête de lecture, c'est idem. Insérer, ça va nous faire un truc pas très joli, c'est pas très intéressant aujourd'hui. L'audio, bon, c'est seulement l'audio. Plan de coupe, je sais pas du tout. Côte à côte, ça va être divisé en deux. Écran vert, c'est surtout pour les images, écran vert, écran bleu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est image dans image. Et là, nous allons le caler dans le coin, agrandir un petit peu, terminer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir le bouger vers la gauche comme ça, l'étendre un peu plus comme cela. Voilà. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de ne pas avoir le son. Donc là, on va le baisser à 0 complètement. On va faire un petit fondu d'arrivée, c'est plus joli. Alors vous avez le fondu, réduire, agrandir, échanger, voilà. Je mets toujours une petite bordure, une petite ombre, ça dépend, pourquoi pas. Et je fais terminer. Et là, enfin, nous allons avoir quelque chose comme ça. Dans la vidéo. Voilà, un petit fond très sympathique, sans le son, juste l'image. Bon là c'est très court parce que j'ai mis 4 secondes, mais en principe je mets 10, hein. Pensez à mettre au minimum 10 pour une finale comme ça. Même pour un début de vidéo, 10 secondes, c'est très bien. Donc là, voilà, vous avez un truc très simple, mais efficace. Alors, pour rajouter de la musique, on va s'occuper de la musique sur la fin, là, par exemple. Il y a eu un bruit bizarre, là, un gros claquement. C'était monstrueux. Pour rajouter de la musique, vous avez l'onglet « Musique » ici. Alors... Vous avez vos musiques iTunes, voilà, donc vous pouvez, il suffit de double-cliquer pour l'écouter. Voilà. Double-cliquer pour arrêter. Donc nous, ou pas, ce qui nous intéresse, principalement ce dont je m'utilise, ce sont les effets sonores iLife, car il y a une
traînée d'effets sonores plutôt sympathiques. Alors, il y a celle-ci que j'utilise souvent, que j'aime bien, parce qu'elle est courte et qu'elle est plutôt sympa comme musique. Elle est connue, hein, pour ceux qui connaissent, par exemple, Salut les Geeks, elle est connue. Regardez, je vous laisse écouter. Bon, là, c'est pas bien calé, parce qu'elle fait 5 secondes sur un plan de 10 secondes. Mais ça donne ça. Donc, en général, le bruit à la fin, là, celui-là, là, je l'enlève, parce que je trouve que ça va pas bien dans la mélodie. Enfin, bref. Alors, nous, ce qui nous intéresse... Hop, on efface avec la touche supprimée. Ce qui nous intéresse, c'est un son de 10 secondes. Donc, on va en prendre un au pif. Voilà, on regarde. Voilà. Allez, pourquoi pas un truc un peu West Coast et tout. Donc, on l'étale à 10 secondes jusqu'à ce que ça prenne tout le plan. Voilà. Alors, je vais baisser un peu le volume pour parler en même temps. Mais du coup, ça nous donne ceci. Voilà. Donc c'est très sympathique en fin de vidéo. Maintenant, pensez à avoir une musique qui est pas trop mal. Là, moi, par exemple, ça me ressemble pas du tout, un truc un peu West Coast comme ça. C'est pas très génial. Hein. Enfin bref, une fois qu'on a notre plan, voilà, qui est tout fait. On a alors salut à mes abonnés YouTube. On a l'intro. On va faire la map name. On a la coupure à la finale. Voilà. Alors, vous retournez dans Bibliothèque de projet et vous allez faire un clic droit. Exporter la vidéo. Alors, en 720 ou en 1080, c'est à votre guise. Vous le mettez sur le bureau avec un titre et vous cliquez sur Exporter. Ça va mettre un certain temps, mais c'est un temps qui est nécessaire, bien entendu. Je crois vous avoir tout montré. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit qui manque dans la vidéo, vous me le dites par commentaire. Mais je pense que je vous ai tout montré dans mes vidéos. Vous voyez, c'est pas bien compliqué à faire quand même. Hein. C'est pas bien compliqué à faire. Ça demande de la patience et des bonnes transitions. Là, vous voyez, par exemple, c'est cette transition que j'ai choisie. Bon, hein. C'est voilà, histoire de donner un petit genre. En général, les gens ils commencent pas leurs vidéos avec des intros, mais moi je fais des petites intros à iMovie parce que c'est pas cher et c'est sympathique. Donc les possesseurs de Mac, vous avez iMovie gratuit, bien évidemment. Pour filmer, je m'utilise soit de QuickTime Player, soit de ScreenFlow. Alors ScreenFlow est très sympathique car il permet de filmer aussi sa caméra qui est au-dessus de ma souris, là. Juste au-dessus, là, vous la voyez, hein, ouais. Moi je vois la mienne, vous voyez la vôtre. Donc c'est très sympathique. Et il paraît que la méthode d'exportation avec ScreenFlow est plus rapide. Donc là, je suis en train de filmer avec ScreenFlow. Je vais retoucher la vidéo avec le logiciel Final Cut Pro, qui est payant à un prix assez élevé, mais vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec. Alors moi, je viens juste de l'avoir, donc je vais essayer de mettre cette vidéo en forme avec ScreenFlow. J'avais notamment comme idée de faire en fin de vidéo, au lieu de mettre... Attendez, je vais vous montrer plutôt cet extrait-là, Twilight 1. Au lieu de mettre un truc comme ça, avec un fond noir, là, à la place du fond noir, j'ai tendance à glisser des images. Alors ça, pareil. Quand vous avez une image que vous avez téléchargée, vous gardez cliqué dessus et vous la glissez sur le projet. Et vous mettez fond vert. Vous allez voir que ça fait un truc bizarre. Et moi, ça me plaît pas. Parce que iMovie, je n'arrive pas à mettre une photo s'il y a une vidéo au-dessus. Là. S'il y a déjà une vidéo intégrée, j'arrive pas à mettre une photo. Donc en général, je mets que la vidéo et un fond noir. Et ça, ça me dérange. Alors qu'avec Final Cut Pro, il me semble bien qu'on peut mettre les deux. Donc on verra le résultat à la fin de cette vidéo. C'est là que nous nous quittons, messieurs, mesdames. Je vous souhaite une agréable journée dans la compagnie Airlines, dans la compagnie YouTube Airlines. Voilà, je vous laisse. Merci d'avoir suivi le tuto. Vous pouvez mettre des pouces verts ou des pouces rouges, c'est à votre guise. Les commentaires, c'est à votre guise. Je réponds à tous les commentaires, il n'y a pas d'exception. Que j'ai 40 abonnés YouTube ou 4000 abonnés YouTube, je répondrai toujours à mes commentaires. Et ça, je tiens le pari. Je vous invite à me suivre sur Twitter, @RowLincoln. Et au moment où je prononcerai ce @RowLincoln, il y aura certainement une petite vignette en dessous qui vous permettra d'y accéder.
Je vous souhaite encore une bonne journée et à bientôt les amis. Salut.